DJ Stéphane. Balamwange. Congo ya Lumumba, Congo. Na fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwa ngoya ngoyo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Balamwange. Oh yeah yeah. Voilà, bonjour, bonsoir Sali. Naba Congolais ne soba kota la biso à ce net moment, c'est Tango Koki RDC, Jési Ankolela pour vous informer. On dit trop c'est trop. Trop c'est trop, cette fois-ci, togo calmer les souba wazalendote. Parce que, comme vous avez suivi, naba programme à Tango Koki RDC, il y avait une bombe qui était lancée au niveau de Masisi, là où se trouvaient plusieurs et plusieurs finalistes. Na journée na bango ya souka ya session examen d'état, c'était hier jeudi. Alors aujourd'hui, selon les derniers bilans de la société civile au bazar sur place au niveau de Masisi, on nous informe que 34 Congolais et ce sont des élèves finalistes au Bakoufi avec leur uniforme bleu blanc Bakoufi sur place. Alors, les messages envoyés à Kinshasa, les autorités de Kinshasa commence déjà à réagir, mais du côté des Ouazalendo, avant permission, déjà va attaquer les cités voisines du Rwanda. Les cités voisines et localités voisines du Rwanda, non loin de la ville et non loin aussi de la province du Nord Kivu, ils ont attaqué, ravagé. Vous allez écouter et nous serons en direct à front. Là, ce sont des Ouazalendo. Alors, on ne sait pas si il faut calmer les Ouazalendo ou encore il faut les pousser à aller encore loin avec cette décision au Bango Bazui à quoi attaquer. Bazele Kinshasa te mabandi quoi attaquer Bango Mogo. Alors, Tokolobe Lango si quoi dans cette émission. Tokolobe l'appelle Isusu. La démarche prise par le président João Lourenço, c'est le président de la République angolaise. Il est présentement au niveau de Abidjan et il prend la décision. Lors de son retour en Angola, il va inviter rapidement au niveau de Luanda, Tshisekedi doit aller à Luanda et aussi Kagame doit aller au... C'est une condition qu'il pose. Tshisekedi, Kagame, il faut pas qu'il na Luanda, na Angola. Ye João Lourenço, Asangisa Bango, ba solola ensemble et va imposer na Tshisekedi d'accepter les cahiers de charges de Kagame, sinon Kagame va déjà ouvrir la guerre contre la République démocratique du Congo. Alors, le dossier Forage et Lampadeur, après les enquêtes, il y a IGF, Boyebi Yango, va dénoncer, va enquête, Marambo Bele Bele Salamaki. L'IGF a comprendre qu'il y avait surfacturation, il y avait du détournement, il y a Mosolo Oezala qui a population, il y a peuple congolais. Le ministre Nicolas Kazadi, cité dans ce dossier, le ministre François Robota, cité dans ce dossier, mais Tomoni Mbilinga Mbilinga Komo Tambola. Balobi Nicolas Kazadi, libre, et de l'autre côté, François Robota, qui était le ministre du Développement Rural, Aza déjà dans Maboko à justice, vers la prison de Makala, Tokolo Belango. Pourquoi arrêter Robota et laisser Nicolas Kazadi? Nana liaki, nana liaki te. Nana yibaki, nana yibaki te. Est-ce que Nicolas Kazadi a zongisi o ya zwaki? Le kola Robota bo zongisi angonde ba kangiye, Tokolo Belape ma kambounyon songwa. Boza na bino libre, boza la vraiment kimia. Alors, Ndekomara Bobola agressé, Ndekomara Bobola recherché, Ndekomara Bobola en insécurité, par rapport à des révélations, dénonciations et Makambaloba qui ezali ko kende vraiment na soutien mokonza mboka, mais il est menacé, recherché et ezali ko vivre en clandestinité. Yango to invité très rapidement dans cette émission, il va donner un petit biscuit tout au débit pour comprendre que ce qui lobi m'a bayé, nous allons directement pointer du doigt à la personne otoko imposeye la responsabilité ya mabe oyo koyela ndeko na biso mara bobola. Donc atcha mabolongo na se abonde la pona bola munaye mais pona mabe na eti ndeko mara to pe sio mbote boni santé mbote mingi Jezi en kole mbote pana bandeko na biso ya tango koki ba bazal ko landa biso bisika banso na za penza na makasi penza te kotala
lolenge kani nazali ko sibi ba menace nazali ko zwa ba dérangement nazali ko zwa ba appel anonyme soki na la kisio na téléphone nga awa donc na lembi même na kolemba des filatures aussi ba filature d'abord avant nazala awa nazala ki na émission quelque part oyebi biso musa na biso za ko défendre régime et musa la doza ko sala ba to musu baza ko sécurité. Alors la fois passée na mekai ko leka awa na chaîne pona ko dénoncer ko senga na kulutu na ngai Jean Lucien Boussa Tomba oyo azali bongo grand frère na ngai toza na ye même village tozali ba même localité. Alors na senga ki na ye vraiment a retirer ba propos na ye pambaté ma propos aloba ki sur makuma ya leadership ya chef de l'État lors d'une conférence oyo ba organisa ki yango na président Vital Kamerhe na Augustin Matata Mponyo. Mais likambo ya passe ezake bandeko oyo bazali pembeni ya kulutu Jean Lucien Boussa ba comprendre te démarche na biso et na komeka un peu comporter à quoi porter éclaircissement ezake biso toza ko samusa na biso kokokana kaka ndenge bango pe baza ko défendre autorité na bango Jean Lucien Boussa biso pe na IDPS lokola ba combattant ya IDPS atako papa Etienne akufa mais atika Fati Beton et mon côté atika ye na ba combattant oyo tozali ko assumer tous allez quoi assurer sécurité sur le plan médiatique et sur le plan il y a terrain il y a régime aux alliés à tisser dit il y a un moni na bas sans ou anando moni na kendeki ko senga la kulu tu n'anga jali c'est pour ça à retirer kaka ba propos naie zala ki logo ya gravité mais je ne comprends pas ba ndeko msusu ba komi ko interpréter ango et n'engue na zolo ba boy vraiment na zana insécurité donc na zali ko senga vraiment na secrétaire général Augustin Kabuya Oyazali le mwanabute ya chef de l'État, Oyazali tobenga kaye, mon général ya Union pour la démocratie et le progrès social, que le combattant de l'IDPS Mara Bobola azana insécurité, nazako zoba menace, Oyazali ko uta de partout, nazako yebate. Soki lelo oyo mabe komi et kozala pona IDPS et kozala pona chef de l'État. Et bitumba o tozako bunda nazana problème mon côté na Jean Lucien Boussa, nazali ko loba yango. Naza na problème na Jean Lucien Boussa te seulement que toza na combat politique ya meki ko manquer respect pa na chef direct na nga zali ya ya parti ezali président république et ngai loko la combattant ya IDPS ou naza na territoire Boudjala na mekai ko senga na ye a retirer ba propos. Donc mikoleza koya je crois que tokoluka ndenge nini toye ba nini toko toza ko sala par rapport ya likambo oyo mais sinon naza vraiment en insécurité naza ko senga na ba service ya sécurité ya il y a sécurité, ma service à la police, il y a renseignement que Mara Bobola combattant ya IDPS ya Boudjala autoza ko partager même territoire na Jean Lucien Boussa nazali suna kimiate. Merci. Alors, d'accord, nous allons bien suivre cette situation. Alors, nous allons rapidement prendre l'avion pour aller du côté de la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, ba congolais na ba congolaise, lelo balamuki malamute. Hier, c'était la désolation. Hier, c'était les deuils. Hier, c'était les matanga au niveau de la partie Est de la République démocratique du Congo. Quand nous parlons de mort, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Quand nous parlons de décès, c'est une mauvaise nouvelle pour nous et pour vous. Tout à l'heure, na lolendo te akwa ko annonce bino batomi balé batomi sa to bato 10 20 30 40 bako fino sa la rabiso lolendo te sa la rabiso na pasi na motema. Même un nouveau-né a koufi et soit kabiso. Mais comment expliquer moi na oabandi maternelle, primaire, secondaire, a komiti na humanité, sixième des humanités, a tangi ane mobimba, a sali premier jour examen d'état, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, les militaires rwandais annoncés par Kagame au niveau de la France, ke bakwa ko kota na territoire congolais pour débiter la guerre. Et si bakota ki ba bomi 34 élèves finalistes congolais des pères et des mères. 34 bakoufi sur place. Il y a une bombe qui a été lancée par le militaire rwandais. Ici, il faut changer les langages. Tu as utilisé les sous le langage, il y a M23T, il y a AFCT. Non. Parce que Kagame, au niveau de la France, dans une télévision internationale, il a avoué que Akoya ko boma na Congo parce que la guerre s'est tuée. Il a avoué et il a déjà débité par tuer. Ndeko Mara Bobola. Koyoka Kagame
a prometta qui a accomplir aussi promesse na yeke akoya ko boma akotipe abomi. Il y a une bombe bande kwa ba M23 balancé hier et ça continue jusqu'aujourd'hui et le wazalendo ba vande kimiate ba bi ba koyoka la décision de Kinshasa te bango il faut aussi bazongi sa réponse du côté à Rwanda et ça crée déjà des dégâts na partie est la République démocratique du Congo. Likambo ya pasi pe ya mawa atako ba koluka ba sa biso mabe meto ko lembate po eza pona ekolo ndenge moko ba soda ba kufa pona ekolo biso pe to lapandai to loba ke pona ekolo pona souveraineté ya mboka na biso to ko lembate to ko banga loko moko te loko pe ozang sa biso kimia te to ko zonga pe simate makambo oyo Kagame aza ko sala na niveau ya este eza likambo ya pasi pe likambo ya mawa mais eloko aliboso nazali nanu ko féliciter ba wazalendo na biso nous avons félicité le FRDC aux alliés armés Nabiso aux alliés Kobunda Tongo midi pourquoi aux Azakula la terre pour nabo Kengi et puis pour nabo battre la mipenza il y a école Nabiso na partie est Kagame yamboe que aleka na déclaration aux Asalaki na mikili apoto je suis en colère au kende ko comprendre que Kagame a été déjà secoué na niveau ya mabele nae. Il y a eu des Rwandais, il y a eu des Rwandais, excusez-moi, oyo bakei komo na Kagame. Ba yebi si esengeli na yo oluka solution pour la makambo ya guerre ya est ya République démocratique du Congo. Pambate ndenge tozali ko avancer de la manière tozali ko kende, on risque aussi de perdre beaucoup de choses. Biloko nini oyo Kagame ba Rwandais ba monete ba koiko perdre. Ba tali degré dimension, pardon, dimension oyo Tshisekedi azali kozwa par rapport ya diplomatie par rapport ya ba rencontre ndinga azali kotambola la mikili ya poto par rapport ya service ya renseignement o ezali ya États-Unis ezali ya France ezali ya Belgique o ba disposer ngoi pa na Kagame ba yebisier o komi déjà au bout na porte ya sortie ya régime nayo et sengeli o luka solution alors Kagame afandi atala lobby makambo o nyoso solution nango ezali to sala nini esengeli to kende ko bundana na République démocratique du Congo mais ba Rwandais balobi nini yoza ko kende ko luka o bundana République démocratique du Congo est-ce que en terme ya ba munition est-ce que tozali na minduki ya makasi parce que eloko oyo Antonio Guterres secrétaire d'état américain secrétaire d'état ya ONU oyo alobake ke armée ezali ya M23 ezali armée moko ezali régulière ezali armée moko très forte ezali sophistiquée bakoki ko bundana n'importe quelle armée dans monde entier ezaki lokuta aujourd'hui service sur renseignement ba révélé yango et puis ba étalé que non le M23 et les Rwanda bazali sur na bibondelité parce que bibondeli ebele ya Rwanda oyo azalaki nango azu yango abandaki ko tia yango na disposition ya M23 pour M23 alukanini abundisa FRDC mais M23 bandai ko avancer abandai ko zala mwa ba avancement mais tango wazalendo aye na ba service ya sécurité na ba formation ya ba nouveau venu o Tshisekedi na gouvernement ba former ba koti na FRDC au moment où nous vous parlons Kagame azomona déjà shit na ye eza déjà ko mona ndia na mission na ye eza lokola motamati mbila na engalala o babenga ngo engalala muta vandi likula mbila bo azomona ndia ke engalala ezo kende ko katana ça veut dire que na kolongwa likolo na kosani ni na ko ba na se et ndé loko Kagame aza koluka ndenge nini akita male male mena nzete ya mbila aluka solution et lokola ba Rwandais ba kei ko mona ye ba yebisi esengo luka solution pamba te les Congolais ba tombuka kamabe pamba te les Congolais ba zaka soki ba koti na makango na makambo finalité nango esuka kamabe luka solution ya makambo oyoyo yo bandake raison pour laquelle Kagame avandi abengi service en renseignement na ye abengi service en sécurité na ye na ya la police na ba service ya lobby na ye ayebisi bango ke nazali susu na chwate esengeli to kende nini tokende na bitumba mais service à renseignement ya Kagame ba yebi si eboy awa ozolo ba ke okende bitumba est-ce que ozana bibundeli parce que biso tozali na contact voilà, oui. Tozana contact na bande ko bazana Congo tozana contact na bato ya M23 oyo déjà tozomona déjà Jésus en colisi le terrain M23 komi essoufflé voilà. Tala mikolo yo même rendement ya corner inanga il y a pas assez des avancées tala mikolo yo bato bandai ko longona pe perdre pour pas qu'il y ait de cocotte à niveau AFC. Est-ce que Mikolo Zoyo Kango Lissousou?
ils ont ça la matin. Ça veut dire que il y a eu ce qu'on appelle l'arrêt de cette hémorragie quelque part. Mais eloko nini saliété arrêt wana ya hémorragie salama. C'est la diplomatie du Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est aussi ma tactique militaire. C'est aussi ma biloko oyo Kagame za komona vis-à-vis ya gestion ya mboka et puis non changement. Non changement, il y a gouvernement, il y a soumina to ba pesi elongi ya suka. Oyo yo ezala ki ya Jean-Pierre Bembaté qui est peut-être immature politiquement, ou ya koyiko comprendre que moi to ke na bitumezate yango moni atali alobi non non et sengeli na sa la déclaration ya guerre do moni Kagame akene ko sa déclaration. Mais comment rabobola ngai n'exposé na yo sali na kangi biloko misatu. Olobi lelo la diplomatie de Tshisekedi est fouti pour na dossier na biso ya est. Olobi encore la montée en puissance ya armée congolaise au baza ensemble na bawazalendo et fouti na est. Ya misato olobi o ali ko encourager pe ko féliciter déjà entré ya gouvernement Toluka parce que misala nango komi déjà komona na sur terrain. Ya souka siko place dans au chité olobi ke c'est déjà la fin de Kagame. Mais comment expliquer la fin de Kagame? La diplomatie de Tshisekedi, la montée en puissance ya bawazalendo na FARDC et ko kota ya makasi ya gouvernement Toluka déjà d'entrée de jeu ba komona to ya komona bombe et outil na maboko ya armée rwandaise et koyi ebomi 34 civils congolais et puis aussi des élèves, des jeunes. Alors cela veut dire que Kagame n'est pas à la fin. Cela veut dire que la diplomatie de Tshisekedi n'a pas encore payé. Cela veut dire que c'est déjà un bonjour giflant. Il y a Kagame qui a giflé l'entrée, il y a gouvernement Toluka. Parce que là, nous sommes au niveau, il y a territoire à Masisi, la province, il y a Nord Kivu, là où il y a de l'insécurité. Et Kagame donne bonjour à Madame Toluka pour nous dire, comptez, nabana na yo bozalaki na bango combien? Nabomi 34. Maman nazalaka na pasi ya kobota, maman amimaka mwana pendant plus ou moins 9 mois na libomo. Aboti mwana akomi kopese mabele. Aboti mwana mwana malade ezangi sara maman pongi na butu. Lelo bana ya maman Toluka combien? 34 bakufi. Oloba ke c'est la fin de Kagame. Oloba ke Toluka déjà ebandelinaeza malamu. Non, moi je dis non. C'est à vous d'argumenter. Bato 34 bakufi kamara. Na est. Jésus yankole ezali bonjour yambata ndengo za kolobate ezali babengaka na lopoto ezali signe ya sabotage et puis ezali ya négligence vis-à-vis ya dénonciation non seulement ya communauté non seulement ya président de la République et puis ya gouvernement congolais que M23 eza soutenu na Rwanda et puis na ya communauté internationale ya conseil de sécurité o ba expert na bango ba ya na Congo ba sala ba analyse ba sala ba enquête ba trouva que non ce les éléments du M23 qui sont soutenus par le régime de Kagame qui sont en train de combattre au niveau de la République démocratique du Congo et qui violent et qui torpillent la population sur les sols congolais en violant les principes de l'intangibilité et de la souveraineté de notre pays. Tant aux Akoloba que non 34 personnes bakoufi. Je crois que je dois rendre hommage et pas na bande konangbal balé kinangai oyoyo bakoufi na kat na zambate bakoufi likolo ya maite bakoufi te parce que bakende ko toka mai mais bakoufi na nzela na kati ya etelo oyo biso tozali ko former pa lobby ba gérer mboka na biso je rends hommage et pas na ba famille et puis et pas na ba âme ya ba victime. Mais de l'autre côté il y a eu aussi les M23 bakoufi bango moko batindi bombe et même bombe wana pe ba wazalendo basali réplique. Il y a eu aussi 12 éléments du M23 bakoufi. Mais entre les 12 et les 34. Mais s'il vous plaît, s'il c'est vous une plaît. Perte, c'est une s'il perte vous plaît. Énorme. Jésus en colère. Tout ça là, hein. Tout ça là débatté par rapport à un nombre de morts. Ezami limu ya bato ekeyi. Mokondi Tshisekedi alors baki atama kwa kufi. S'il vous plaît. Mais est-ce que komi 34? Mais oui. Faisons quand même un débat mais par rapport au nombre de morts, plaît. C'est important. Hein. Chef de l'État alobaki ango ke à la moindre escarmouche et que même si un seul citoyen congolais tomberait comme on a suite. Ici, mais écoutez, 34. Écoutez, awa tozana 34, oui, mais et sengeli omituna, mokonzamboka lobaraye mokote, nous avons obabengaka conseil national de la défense ezali.
Toza na Conseil national ya sécurité ezali. Toza na Conseil national ezalaka o esalamaka ya conseil ya gouvernement. Tozali na comment on appelle ça? Deux chambres, il faut pas réunir au Congrès pour to kende ko déclarer guerre. Ça veut dire que chef de l'État azali na conseiller spécial en matière ya sécurité. Azali na Conseil national ya sécurité ezali. On ne peut pas déclarer la guerre, tola et tola mouko de déclarer guerre. Non. Lelo oyo bana oyo ba leki na ngai marabobo la bakufi na village ya Remeka. Ezali eloko ya blague te. Mais tout est commencé par quoi? On m'a dit que M23 azo perdre même cible nae. Azo perdre cible nae au lieu abunda pendant ko luka ko réclamer soi-disant protection ya ba civil, protection ya ba tout est soi-disant congolais au bazala kate. M23 a commis qu'on attaquer sur quoi place aux alliés, place moins vulnérable. Comment yo moto za malamu, même ba école. Nous avons une école ici Malabiso. Yo ko kende ko bandako ganga na école wana, ba ko mono za motali boma. Mais ceux qui ok yo commis na niveau, ya ko kende ko bombarder. Ça veut dire que ozo tindika siko yo bato baza sima ya école wana basa nini, ba ya ko réagir. Ça c'est une menace na part ya Kagame. Kagame le quoi commis na suka, omoni ba lo bakake. Ndoki soki a le moto. N'est-ce pas? Ba le yo Jésus en colonie nabi ke ba roli ayote. Ko banga pété nabi ko sambelaka ba roli ayote. Soki ndoki a le moto. Ça veut dire que ba pousaka moto na majisima ya mabe. Soit o mata moto, soit o kende ko luka matu moli, o bunda tout ça. Ba okoy okufi ah abomi moto ba bomie ba sali. Nzoka ba lia ki yo déjà. Ça veut dire que Kagame règne na ye si sili. Spirituellement, donc si je vous comprends bien, donc Kagame Bomanaye, donc le col est si balia qui est na bouton, non, 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 donc Kagame non, 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 écoutez, non, non, s'il non, vous plaît, non, 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 on peut si un exemple ici que j'ai beaucoup apprécié. On le dit comme dans des na niveau ba école, na ba hôpitaux, na ma niveau ba camp de déplacés, et si ka ba civil bazali, et ça ba bisika o ba toucha ka vraiment te. Tu ne peux pas arriver dans un hôpital au bois qui bombe. Tu ne peux pas arriver dans une école là où se trouve la maternelle, l'école primaire, secondaire, où il y a moto, il y a bombe. Non. Mais Kagame s'est dit que aza prêt à cause la guerre nabissou. Azo kota na ba espace na ba point oyo et ko siliki sa ba autorité à Congo. Est-ce que na niveau autocomi après les 34 morts, est-ce que les autorités congolaises et si ba siliki ou Tolanda Kagame était posé que Tolanda est aussi bien au coup dans ma Jésus en collé au kataki nga maloba pambate na linga qui n'a pas sa yo traçabilité yali kambo et salé que tiba élève ba kende ko zwa minduki au pesi nga maloba ya kolomba zwa siko maloba ba wazale ba M23 bazana ba bisika baza ko occuper na est de la République démocratique du Congo tango bango ba vani na place wana. Ce sont des gens, ce sont des Tutsi et Rwandais, Oyoyo, Bazana Mabele Nabiso, soi-disant qui se font des Congolais. Il y a eu certains jeunes, Oyo Baké, qui ont récupéré Ngombe Nabango, Oyoyo, Baboko Laka, Bawazale, Nobazwaki Bango en otage. Bakéi, Bakotiti, dans la localité, na Kayabayonga, Bakéi, Bak récupéré, na village, ya, comment on appelle ça, na village, Oyo Bazako Benga, village, ya, comment on appelle ça? Le nom va venir. C'est dans les Massissi. Dans le village de Biriko. Place si Bakéi na territoire ya Massissi, vers Kayabayonga, Bakéi ko récupéré nini, bangombe na bango, oyo M23 sa ki nini, azwaki. Le Wazalendo, nazo ko saluer sur bravo na bango, ba récupéré bangombe, ba bimi na bango. Loko la M23, ayebe ke ngombe za richesse pon na ye. Alobi non non, tokoti ka ngombe ete. Ba yei na village ya Remeka. Na territoire ya Masisi, po ba luka ba récupéré bango mena na butu, ba wazalendo ba kangi bango, ba écraser bango, ba neutraliser bango. Na tongo, loko les alaki période, oyo ba na biso baza ko sala ma mécanique, bango ba monier ke, ba koki ba ninga na bango mibali te, o ba neutraliser soki 77 ba kenda ki po ba récupérer ngombe. Loko la ba koki te, ba yesu koyo na côté za faible. Lo azaka bitu bango vela ngombe. Mais ba weli ne ngombe. Donc ba wazalendo na ba M23 ba wela ki ngombe. Ngombe. Siko ba wazalendo ba gagner ba M23 ba récupérer ba ngombe nyoso. Ale siko ba wazalendo ba sidiki a ngombe na biso pardon. Ba M23 ba sidiki ngombe na biso wazalendo botoli. Ale loko la bino boza makasi ba wazalendo to ko attaquer bino ka epa ya bana. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé.
Ce n'est pas non, voilà, les élèves étaient à l'école en train de passer l'examen et on les a attaqués. Non, c'est ça l'histoire, c'est ça la réalité. Et puisque les Oisaliens sont allés récupérer des vaches, pendant les jours même, les Oisaliens ne sont pas partis pendant la nuit, ils sont allés pendant les jours, là où il fait encore, il y a encore la lumière. Et ils ont récupéré des vaches, ils sont sortis. Et les M23 ont quitté les territoires. Ont libéré momentanément les territoires. Ont fui, voilà les termes que j'allais dire. Et ce n'est qu'après où ils vont envoyer leurs émissaires avec des armes pour aller récupérer les vaches pendant la nuit, alors que les Oisalendo étaient partis pendant le jour pour récupérer les vaches. C'est comme ça qu'on les a neutralisés lorsqu'ils sont entrés dans les territoires des Massis. Babomima, on a village, il y a Remeka. Et tant qu'on va dans le village à Remeka, M23 lobby, non. Bino le quoi, bon, mais c'est ni qu'on bon, ma biso, le quoi, bon, mais c'est ni qu'on neutralise biso. Point faible, la biso, ils en ont ni, ils en ont civil. De la même manière, tant qu'on va dans la côte, dans la localité à Rubaya, va récupérer Yango, va Oisalendo, na FRDC, va repousser qui bango. Oui, va qui suit tes akinini. Ba kende ko attaquer kayanini ya mugunga o ezalaki ya banani ya ba déplacer de guerre des civils na Goma. Cette fois-ci le kola ko makambo ya ngombe balobi non tokotika bongo te nde ba kayi ko sanini ko attaquer une école. Il dit moi dans une école même de tozabo ngana yo tokota na école toko beta école wana mobimbata nana ko faire face na biso. Pour la plupart, les professeurs sont des anciens, ma papa, tout ça, il y a des jeunes, oui. Mais école, mon matokobetango, mais yo bois qui bombe. Ça veut dire que les M23 et Kagame m'a commis déjà au bout. Parce que ceux qui ont zongi na lisolo na banaye kobeta, comment Kagame a kien à niveau yako déclaré guerre? C'est parce qu'il a compris que régime nangai ezo komanansuka. Tshisekedi avec sa stratégie, avec sa méthodologie, avec sa diplomatie agissante, avec la montée à puissance de notre armée, Nazo risquait de perdre le pouvoir. De la même manière, Kagame avait perdu son pouvoir, et c'est de la même manière avait gagné son pouvoir, et c'est de la même manière Kagame va faire quoi? Va perdre son pouvoir. Yoko kende ko attaquer, bah élève. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec les élèves? Même dans une guerre, il y a des zones qu'on déclare les zones neutres, qu'on ne peut jamais toucher, Jésus en collé. Mais comment Kagame et les éléments du M23 vont se permettre d'aller toucher dans la zone des neutres? Tout le monde a même dans image entre la Russie et l'Ukraine. Il y a des endroits qu'on ne peut pas toucher. Dans l'île, il y a des endroits que Kagame a bombardé l'hôpital. Kagame a bombardé l'Ofelina. Kagame a bombardé l'université. Alors, Yewana a bandaki na cité à Mugunga, où il y a déplacé des guerres, qu'on ne peut pas attaquer. Même si aujourd'hui on faisait la guerre mondiale, il y a des endroits qu'on ne peut jamais toucher. Mais Kagame a commis un violent, ça veut dire que Azam Moto a commis un souka. Bah, il y a déjà. Régime n'a commis un souka. Alors, la réaction de Kinshasa, la FARDC, les Oisalendo sont là. Kagame a obandako touché là où il ne faut pas toucher, les écoles, les hôpitaux, les camps de déplacés. Maintenant, aujourd'hui, les écoles sont touchées. Il y a des morts, 34. Alors, la réaction de Kinshasa, Bissoto Vandakaka. Non, Bissoto Vandakaka. Aussi, il faut aller attaquer aussi les écoles. Attaquer les écoles de Gizeni. Écoutez. Aller attaquer les écoles de Kigali. Quelle est la vision ou encore la bonne décision qu'il faut prendre à partir de Kinshasa? Oti Koloba, nous avons le Conseil supérieur de la défense. Nous avons la vice-primature de la défense, Bouchala Bouamba, le ministre de la défense, Napesie Mbodi. Nous avons la première ministre. Nous avons le chef de l'État. Toutes les institutions aujourd'hui sont en place. Qu'est-ce qui reste? La réaction de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, je crois que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes des gens dans la victoire. Ndenge, je crois que Frère Branham Aloba, et puis Ndenge Balanga Nzembo Yaba Branhamiste Baloba. Biso tout ça de la carte à victoire. Moto a zara la victoire à Banga Raté. Moto a makasi à Luka Abitumbate. Motamakas avant la kimia. Au moment où maître, oh yo, basala ba judo, basala ba karaté, basala ba. Comment on appelle ça? Ba jujuti, ba boxe. Ces gens-là ne vont jamais aller vers quelqu'un pour menacer. D'ailleurs, tu ne peux pas te battre avec un athée en sport. Moutou a sala sport. Kagame na minute, n'y a pas de babou. Kagame a zaya koulala. Nous avons du service union sur la tangelio. Je crois que avant, tout comme à niveau d'attaque, oh yo. Maman Judith est soumise à Mekaki Kolobela Kagame. A Mekaki Koyebisaye, à Mekaki Korepondre par rapport à Makamouza Golekana Est. Ça veut dire que, en termes de nombre et de population, pensez-vous que les loyaux, ceux qui ont
kobeta na Rwanda, il aura combien de Rwandais au bakutika na mokili? Est-ce que les Rwandais sont au nombre de combien? Nombre d'abangons dans le monde entier, baza combien? Nombre de population rwandaise, baza combien? Ba élève nabango baza combien? Ba étudiant baza combien? Ba militaire baza combien? Ba bato baza na administration baza combien? Ça veut dire que ceux qui tobi to kende na logique au Isaïa Rwanda, au Isaïa M23, ya kubanda ko attaquer ba localité ya population. Mais nous allons battre Kagame et nous allons exterminer la population rwandaise. Parce que la République démocratique du Congo, nous avons plus de 120 millions d'habitants. Ça veut dire que ce tobi bon, to kende na style kaka ya kubanda ko bombarder ba cité na ba localité. Mais Rwanda est aussi là dans moins de 48 heures. Et la République démocratique du Congo va exister. Si aujourd'hui nous décidons d'entrer sur le sol rwandais, mais tu envahis Rwanda, mon bimba. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut que le président Tshisekedi a continué à dénoncer, a continué à dénoncer que nous sommes attaqués par les Rwanda. Il a continué à tribune des Nations Unies, a continué à dénoncer le voyage à Kaka. Ou encore, quelle est la recette, la bonne recette? Parce que les Congolais sont fatigués. Les Congolais sont fatigués de ces différentes nouvelles de morts, de bombardements, de hostilité et insécurité dans la partie est. Alors la recette, c'est toujours que Mokonzambo Kanayo et Ngai, alobaka que non, on nous agresse par les Rwanda, on nous bombarde, on nous tue, on nous viole, ainsi de suite. C'est ça la bonne recette que Marabobo la propose aussi. Je crois que la bonne recette aujourd'hui, tout le monde, Oyoyo, Azali, Nabomoto, tout Congolais, tout Rwandais qui émane de la volonté d'aimer la vie, de voir la vie aussi dans un autre sens, d'avouer ce que la vie nous donne, ne peut que soutenir la paix et la stabilité. Mais comment nous pouvons avoir la paix et la stabilité? Ce n'est pas la République démocratique du Congo qui agresse les Rwandais. Ce n'est pas Tshisekedi qui soutient les FDLR, comme Kagame a toujours dit, pour agresser le régime de Kagame. Ce n'est pas non plus le gouvernement de Mama Judith Suminwa et Tuluka qui donne des moyens au ministère de la Défense et de soutenir les Oisalènes pour aller attaquer, je crois que de manière aussi brutale, la République, comment on appelle ça, le Rwanda. Les Rwanda, les M23, soutenus par M. Paul Kagame, qui est un sanguinaire, qui est parmi les gens qui déstabilisent la paix et au niveau de la sous-région, qui est en train de nous attaquer. Ça veut dire que la recette aujourd'hui, d'abord, il faut que Kagame retire d'abord ses troupes sur le sol rwandais. Là, je serai vraiment étrangisant vis-à-vis du peuple Congo, le peuple rwandais et vis-à-vis du régime de Kagame. Kagame doit retirer ses troupes sur le sol congolais. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, Kagame doit cesser avec sa politique, comme on appelle la politique de double tranchante. D'un côté, il souffle ce qu'on appelle la paix. De l'autre côté, il souffle ce qu'on appelle la violence. La paix, c'est quoi? Nous sommes prêts de négocier avec Kinshasa. Nous sommes prêts de trouver la solution à travers les dialogues. Nous sommes prêts de trouver ce qu'on appelle les négociations avec Kinshasa. Mais de l'autre côté, il soutient ce qu'on appelle les éléments du M23. De l'autre côté, Kagame signe des accords avec les pays de l'Occident pour la valorisation de minerais, alors que Kagame, sur le sol rwandais, il n'a même pas de minerais, encore même pas un seul kilo de coltan ou alors de cassiterite, tu vois même de l'or. Mais comment Kagame n'arrive pas toujours à faire ça? S'il le fait, moi je crois que le président de la République, c'est un homme pacifique, c'est un homme plein de beauté, c'est un homme plein d'amour. Nous risquons encore d'attendre encore de nouvelles déclarations. Comme il en avait toujours dit que Kagame c'est un frère et il va toujours retourner dans son assiette pour dire que Kagame reste toujours pour nous un frère et que nous devons toujours prôner cette fois-ci pour le développement, pour l'émergence entre les deux régions. Alors, depuis Abidjan, Ndeko Marabobola, Nantiko Yokayo a proposé une recette. Oyo omoni ke pona yo kozala malamu pour remédier ou encore trouver solution à cette situation y a insécurité de la partie est. Mais depuis Abidjan, le président angolais João Lourenço se trouve présentement à Abidjan. À partir de là, il a aussi appris la situation au isolé dans la partie est de la République démocratique du Congo après la mort des 34 finalistes élèves au bataille qu'on présentait examen d'état. João Lourenço a dit ceci. Dès son retour au niveau de Luanda, capitale de l'Angola, il va inviter Tshisekedi et Kagame pour que autour d'une même table, ils seront à trois
Kagame à gauche, Tshisekedi à droite et lui, Joao Lourenço, au milieu pour essayer de trouver solution. Et Tshisekedi sera obligé d'écouter et d'appliquer toutes les revendications de Kagame pour créer un climat de paix au niveau de la sous-région. Écoutez la déclaration de Joao Lourenço, imposer un dialogue au Tshisekedi Kagame, et Tshisekedi doit accepter, doit obéir à toutes les revendications et désirs de Kagame. Écoutez cela pour créer un climat de paix au niveau de la sous-région, au niveau de l'Est de l'Afrique, aussi au niveau de l'espace africain tout entier, au cours de l'Oubanine. Moi, je crois que, premièrement, d'abord, on ne peut pas imposer au chef de l'État de négocier ou alors de dialoguer avec Kagame. Pour la raison de la paix. Nous sommes un pays souverain. Nous ne pouvons pas remettre en cause notre souveraineté. Ça, je suis très, très clair et c'est comme de l'eau dans un verre clair. Vous comprenez? Ça veut dire que non, nous ne pouvons pas accepter et céder aux impositions et aux certaines ou aux certains dictats de forces étrangères. Joao Lourenço, nous saluons la démarche qu'il avait entrepris depuis un certain moment pour que la paix revienne dans la sous-région. Joao Lourenço a été choisi par l'Union européenne, par ses pairs de l'Union européenne, l'Union africaine. Et aujourd'hui, nous voyons les efforts de Joao Lourenço, comment nous pouvons parvenir à une paix durable entre les deux pays qui sèment les atrocités, surtout les M23, qui est un mouvement depuis l'apparition de 2013. Tous allez que soutenir Yango, mais qu'on impose dialogue et pas l'antisécurité du non. Là, Bissot Kouyeb, sa chef de l'État, il ne faut pas vous éclipser par rapport à Babylone. Est-ce que si l'invitation arrive, ok, Tshisekedi doit aller au niveau de Luanda et Kagame aussi va atterrir de ce côté-là, nous, Congolais, nous devons être d'accord que notre président se déplace pour aller trouver un compromis à Kagame, à Kinshasa, Kigali, pour que Bandekwa Est va vivre en paix. Mais écoutez, pendant que il y a invitation, il y a quelqu'un qui m'y écoute au moins que aux la sanguinée. Alors que le président Tshisekedi n'est pas un sanguinaire. Le président Tshisekedi prône toujours pour la paix. Mara Bobo l'a soutenir déplacement Tshisekedi à Koutana Kagame et a accepté les revendications et les obligations de Kagame. En condition que Kagame retire d'abord ses troupes sur le sol congolais. Mais Kagame doit arriver à Kinshasa à imposer ou encore demander ou encore mettre sur la table son cahier des charges. S'il a un problème avec le Congo, il ne faut pas à parler de ses problèmes au niveau de Luanda. Il ne faut pas aller au niveau de Nairobi. Il doit arriver au Congo à Kinshasa. Nous avons les palais de la nation, nous avons les palais du peuple, nous avons plusieurs sites pour accueillir Koyambaye, Aye Asololina homologue Naye, Ndekonaye Tshisekedi, et nous allons écouter ce qu'il faut écouter et appliquer s'il faut appliquer. Mais en général et officiellement et d'une manière claire, Congolais ne soient pas que tous à la Kananingo ya Kagamete. Alors aller au niveau de Luanda et mettre Tshisekedi autour d'une même table avec Kagame et écouter les revendications de Kagame, là c'est encourager Kagame Ndeko Marabou. Non, on n'encourage pas Kagame. Je crois qu'il y a déjà eu ce qu'on appelle un processus, une procédure ce qu'on a, sur les négociations autour de cette situation. Il y a eu des parties qui s'étaient rencontrées au niveau de Luanda sous la médiation dans une délégation que la République démocratique du Congo avait envoyée à l'époque. Je crois qu'il y a eu mon grand frère Jean-Pierre Bemba que je salue en passant. Il y a eu le ministre Lutundula, l'ancien ministre Christophe Lutundula que je salue, le travail qu'il a fait aux côtés du chef de l'État dans le domaine de la diplomatie. Il y a eu aussi le haut représentant du chef de l'État qui était de l'autre côté afin de rencontrer la délégation qui a été aussi envoyé par Paul Kagame afin de rencontrer avec M. Joao Lourenço pour échanger autour de cette situation. Mais malheureusement, il y a eu un cahier des charges qui a été demandé, déposé par la partie congolaise, demandant à M. Kagame, premièrement, de retirer ses troupes sur le sol rwandais. Et sur le sol congolais. Et deuxièmement, de retirer, de cesser immédiatement tout soutien du mouvement du M23 se retrouvant sur les sols congolais. Et c'est de cette manière que M. Joao Lourenço, tant à lundi déclaration, il y a M. Paul Kagame, Namikili Apoto, qui est Azali prêt pour la Kobunda, Joao Lourenço, à Kamouya Lobby, Bisse pas Boutouzana, Koluka Solution, comment Moto Yoyo, Bazo Sengaye a retiré ma troupe, Nayaza Kolingate. Et donc,
nous pensons que le président de la République, avec un message que je vais lancer auprès du chef de l'État, monsieur le président de la République démocratique du Congo, vous avez donné encore pour la deuxième fois sa volonté, son pouvoir de pouvoir gérer la République. Vous avez l'obligation de soutenir et de protéger tous les peuples congolais. Au moment où notre pays est agressé, au moment où nous sommes en train de subir les menaces venant de la partie est de la République démocratique du Congo, dont M. Paul Kagame est en train de soutenir le M23, vous avez l'obligation de pouvoir prendre des dispositions afin que la paix puisse revenir au pays. Si Kagame ne retire pas ses troupes sur le sol congolais, je crois que ce n'est pas important de négocier avec M. Kagame. Alors, très rapidement, nous allons prendre quelques poussières de minutes pour traiter la dernière thématique, les dossiers Lampadeur et Fourage. Tomoni IGF et Fongola qui dossier Wana, Banquette et Salama qui au finish. IGF et Monique et Mosolo à l'État et Ibama qui Mosolo à l'État et Liama qui. Alors à l'époque, toi qui es ministre à Finance, Ndeko Nicolas Kazadi et Ndeko Nabiso François Robota, Azala qui ministre et à Développement Rural, ce sont les deux ministères pilotes au Banda qui coordonnent, qui superviser projet Wana, il y a ba lampadeur, na projet Wana, il y a ba installation, il y a ba station d'eau, Otobengi Fourage. Alors, Tomoni Lelo a aboyé Ndeko François Robota, Oazala qui ministre du développement rural, a commis des anzela ya boloko. Mais Ndeko Nicolas Kazadi, pas inquiété, à l'aise, chez lui à la maison, alors Balobi eza deux poids deux mesures. Comment expliquer François Robota est interpellé et prêt à être déjà au niveau de la prison, mais Ndeko Nicolas Kazadi, Oyo, Mokili Kinshasa, Congo et le Belaki. Na côté des tournements, bah autobengi bah décaissement, dirigeance, makambo belé belé salami. Mais comment expliquer Nicolas Kazadi peut être en paix et François Robota a comme déjà en dire boloko. Est-ce que la justice congolaise aujourd'hui est tranchée malamou? Est-ce que l'IGF aujourd'hui peut être contente? Ya mosala o asala ki akomona ki Robota kaka kangami, mais Nicolas Kazadi kangami te. La justice peut toujours être contente si et seulement si nous mettons en place les magistrats, les juges qui sont dans les fraudes, qui sont dans les magouilles, sans pour autant suyer l'image de la volonté du président de la République pour pouvoir instaurer et restaurer ce qu'on appelle l'état des droits sur tous les citoyens en République démocratique du Congo. La démarche qui est menée par l'inspection générale des finances, ici, je crois que je dois toujours réitérer mon soutien à l'inspecteur général. Je l'ai aligné avec toutes les attaques qui viennent d'un côté, qui viennent de l'autre côté, que soi-disant comme l'ancien directeur de cabinet, M. Guylaine Nyembo, qui n'est plus aux côtés du chef de l'État, et c'est lui qui serait son mentor, et comme il n'est pas là, on va mettre de côté l'inspecteur général de finances, Gilles Alinguete. Moi, je crois que ce sont des mensonges, et ce n'est pas ça la logique. Comme le peuple congolais sont en train de faire. Le peuple congolais soutient l'inspecteur général des finances avec le travail qu'il a fait. Dans ce pays, nous n'avons jamais connu ce qui se passe aujourd'hui comme un nouvel événement où les anciens ministres, où le député, les ministres et tous ceux qui sont dans la gestion de la République sont en train de subir les menaces, sont en train de subir ce qu'on appelle les contrôles citoyens. En posteriori et voire même ce qu'on appelle au niveau de... A priori, en posteriori et aussi concomitante. Concomitante, ça. A priori, a posteriori. Voilà, c'est quelque chose que nous devons saluer. La patrouille financière. La patrouille financière, merci beaucoup. Mais moi, je l'ai toujours dit. Est-ce qu'il est important de pouvoir laisser celui qui a commis l'infraction et de vous attaquer à ceux qui ont aidé à celui qui a commis l'infraction d'être en circulation? Vous allez vous convenir avec moi que M. Nicolas Kazadi, c'était député national. Lorsqu'il y a eu ces problèmes, il y avait encore le mandat de la députation nationale. Et aujourd'hui, les lois de la République, au niveau de notre constitution, stipulent qu'un député national ne peut être arrêté, soit poursuivi pendant qu'il a encore le mandat du peuple. Pourquoi? Parce que le peuple qui lui a envoyé ne lui a pas envoyé d'aller commettre des bêtises. Mais le peuple lui a envoyé pour pouvoir aller les défendre. Et aussi longtemps que Nicolas Kazadi, fille député national, et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a une procédure à suivre au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque le président Vital Kamerhe avait trouvé cette histoire, ce dossier sur la table que le président Mbosso lui avait laissé, il y a eu une commission qui a été déjà mise en place.
pour pouvoir traiter cette situation afin que soit qu'on puisse lever les immunités sur l'honorable Nicolas Kazadi et qu'il y soit cédé entre les mains de la justice. Donc, Nicolas Kazadi est simplement protégé dans l'immunité. Mais ça, c'est la loi qui le dit. Lorsque vous êtes député, vous êtes dépourvu de toute poursuite ou alors de tout arrêt. Vous ne pouvez pas être arrêté ou alors détenu par la justice. Mais il y a aussi, des cas de flagrance. Comme quoi? Le député... Le député Mike Mukibai était arrêté par cas de flagrance en pleine émission en train de faire outrage au chef de l'État. Apprenant aussi les cas du premier vice-président de l'Assemblée nationale de l'époque, Jamar Kabunda Kabund, il était arrêté par cas de flagrance. Prenant aussi les cas de l'ancien député honoraire Jean-Jacques Mamba, il était aussi arrêté par cas de flagrance. Donc dans ces cas, comme il y a du vol, il y a du détournement, on ne peut pas ou encore pas toujours continuer à regarder les immunités. Il faut arrêter d'abord la personne. Comme ça, les dossiers, la procédure va suivre après. Mais moi, je crois que s'il faut procéder de cette manière, nous sommes en train de torpiller aux lois de la République. Il y a eu des mauvais exemples qui sont passés lorsque Kabila a géré le pays. Ce sont les choses que nous, IDPS, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons dit que nous devons corriger ces choses et nous sommes en train de corriger ces choses. Lorsque Jean-Jacques Mamba, qui a été arrêté, interpellé, je crois que ce n'est pas quelque chose de bien que nous devons aussi copier. Aujourd'hui, nous avons Mike Mukibai. Avec tous les bruits que Mike Mukibai faisait dans des émissions, en train de faire ce qu'on appelle même incitation à la haine, en train de pouvoir diffamer contre la personne du président de la République, je crois que il y a eu des procédures qui ont été respectées, qui ont été appliquées. Et Mike Mukibai aujourd'hui se retrouve au niveau de la prison. Merci. Mais si aujourd'hui nous avons ces dossiers où l'ancien ministre du Développement Rural, Monsieur Ribota, qui est interpellé par les parquets, et moi je crois qu'il doit trouver ses avocats, comme nous avons toujours dit que celui qui est interpellé, celui qui est accusé, il jouit toujours de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Jusqu'à présent, ils sont tous des innocents. Merci. Parce que jusque-là, il n'y a pas eu encore la justice qui s'est imprégnée, la justice les a encore jugés, soit les a encore condamnés par rapport aux avancements ou alors aux raisons qu'ils ont poussées. Merci. Mais jusqu'à présent, Rubota, comme il est là, je crois que l'Assemblée nationale va pouvoir statuer et la commission va déposer les rapports. Et Monsieur Nicolas Kass, d'ailleurs, Kabouy avait dit que nous ne sommes pas une république où on protège les fossoyeurs et les malfaiteurs. Merci, une très belle émission, une très bonne intervention, réflexion, analyse de Monsieur Mara Bobola, natif de la province de Sidoubangui, plus précisément au niveau de Boudjala, que nous saluons. Merci beaucoup pour votre brillante intervention. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. On se sépare avec cette image en direct de la province de Olomami. Là, c'est le 001 Stéphane Balamwangé au niveau de Kanyamakasese. Alors, je à la prochaine. Voilà. Bozali, Tozali Nagar, Yakanyamakasese. Nous sommes dans la province du Haut-Lomami, bien sûr, chef-lieu, c'est Kamina. Alors, c'est là où nous sommes. L'autre fois, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était le jeudi à Lubumbashi, à Lansaki, train et à service national. Le train et à service national, et Zosala Moussala et à Makassi. C'était plus de 40 wagons couverts, 40 wagons fermés, ouverts et fermés plutôt. Plus de citernes, yango le lobomone citernes, il y a service national et il y a carburant. Carburant et il y a carburant na ba engin et il y a na biloko et belé pour na pour ravitailler service national. Et là où nous sommes à 30 km na bisika to che kije il y a service national. Chers compatriotes, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, un visionnaire, un vrai leader, il aime bien ce pays, le service national ndenge bwali ko monango wana. Et Ali Kosala Moussala Moko Yamakasi, hier c'était difficile pour comme ma carburant boyé, mais aujourd'hui le service national se suffit, vie, volonté politique au Félix Tshisekedi Zanango avec un vrai manager à la tête de service, général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Les enfants, vous avez suivi sur votre chaîne, sont dans de bonnes conditions, ils vivent normalement, ils sont bien traités et ils produisent
maïs na grande quantité. Chers compatriotes, le grand Katanga, le grand Kasai, servi en termes de maïs, même Kinshasa, au moment où je vous parle, cette année, c'est plus de 17 000 tonnes, 16 000 tonnes plutôt. Waouh, quel miracle! Et imaginez qu'une dame de 27 ans, Ndemutoazo Kumba, très beau, mon ayangulupa oyo. Une dame de 27 ans à Lungwe Lubumbashi le vendredi et aujourd'hui à Zaawa à Ekosala Moussal. Et ce qui a Sidisi Awa à Zongi Lissous Lubumbashi. C'est pour vous dire que main-d'œuvre est ça. Hier Kuluna, aujourd'hui main-d'œuvre de qualité après avoir fait un tour de 4 mois en Afrique du Sud pour suivre une formation appropriée pour Nako Kumba train. Bande Kolangai. Attendam tout la salle 5 ans à l'université. Bazo expliquer nga kokumba train na comprendre kakate mais il y a zo bête là au dada dans 4 mois à sali miracle. Félix Tshisekedi Oumela, vous êtes un papa vrai pour ce pays, un visionnaire attitré, vous êtes un vrai leader pour ce Congo. Le Congo a besoin de la volonté patriotique pour amener les choses plus loin et au moment où je vous parle, service national a collé sa Congo netina tembe netina film. Chers compatriotes, Stéphane Baramwangi, je suis toujours là. Ah oui, je pense à Patricia Tshisekou qui me suit depuis Kinshasa, sans oublier Joyce Mujinga. Et pour ne pas citer aussi, oui, mon habilleur de luxe, Chris Mader, oui, Big Mama, Oyo, Amesana toujours, Kosungabiso, Namusala, Toali Kosala. Chers compatriotes, Chris Mode toujours, Chris Mode toujours, hier, aujourd'hui, éternellement, Chris Mode toujours. Chers compatriotes, Toali Kosala Moussala pour la Congo. Et bon, mes kakotala makamoto sala, et ça fait énormément du bien. Merci. DJ Stéphane, Balamwangi, Congo ya Lumumba, Congo, la fachi beton, tangwe koki yo yo yo, tangwango yango yo ye koki, tolanda kango, papa Stéphane, Balamwangi, oh yeah.